Alors, fidèles abonnés, voici notre parcelle de pommes de terre que vous connaissez qui est en essai. Voilà la parcelle de pommes de terre. La production semencière de pommes de terre. Donc, la parcelle aussi. Voilà Lauriane qui m'appelle. C'est la reine des pommes de terre qui m'appelle là. Mais je ne vais pas arrêter la vidéo pour vous décrocher. Donc, je vous disais. Voilà la parcelle qui a été mise en place pour avec notre étudiante pour les pommes de terre. Et la parcelle se porte très bien. Vous avez vu, à nouveau, nous avons géré la mauvaise herbe. À nouveau, nous avons géré la mauvaise herbe. Et la parcelle est très propre. La floraison a débuté. Ça, c'est la variété désirée ici. Elle est identifiable à partir de la couleur de sa fleur. Plus loin, prioritairement, dans cette partie de la plantation, nous avons principalement la variété Dosa. La Dosa aussi est identifiable à partir de la couleur de sa fleur. Ouais, c'est une fleur toute blanche. Et la passée se porte très bien. Nous avons identifié les cas d'invasion de mildiou ici que nous avons commencé déjà aussi à traiter. Regarde, voilà la Dosa avec sa fleur violette là. La désirée en fait avec sa fleur violette. Voilà les traces de mildiou. Voilà, nous sommes en train de contrôler et il n'y a pas sérieusement véritablement de problème. D'un autre côté, vous avez la pastèque qui a été mise en essai avec la variété de pastèque indienne là, avec un nouveau protocole. Mais ici, vous allez rencontrer un problème. Regardez comment les plantes se comportent. Voilà, on dit waouh, c'est propre. Mais vous comprenez qu'avant de mettre une semence sur le marché, on fait ce qu'on appelle les tests. Bon, je laisse tout le monde qui a regardé cette vidéo deviner en commentaire quel est le problème que rencontre cette parcelle. Est-ce que c'est un problème lié à la semence? Est-ce que c'est un problème lié au sol? Est-ce que c'est un problème lié à la maladie? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une carence? Est-ce que c'est un facteur lié à la semence? Bref, voilà la parcelle, la jeune parcelle que nous sommes en train de tester avec une variété. Donc, vous allez connaître cette variété car la fructification, c'est en fonction, c'est par rapport à ces fruits que vous allez identifier le nom de la variété. Mais déjà, on peut observer plusieurs paramètres. Au niveau de la vigueur des feuilles, cette variété-ci a des feuilles vraiment robustes. Ces feuilles sont plus lâches que d'autres variétés. Mais principalement ici, c'est la qualité et la taille de son fruit. Donc, nous n'avons pas encore donné des informations en avance. Mais nous invitons déjà tous ceux qui ont regardé cette vidéo à nous faire des suggestions. De quoi est-ce qu'il s'agit dans cette vidéo sur ces plans. Vous avez vu que c'est partout. Hein? C'est partout. C'est partout. Donc, et comme on vous a toujours dit, les cucurbitacées n'aiment pas la saleté. Les cucurbitacées n'aiment pas les herbes. Vous avez vu pourquoi on est en train de travailler sur la gestion de la mauvaise herbe. La propreté. Aucune plante n'aime la mauvaise herbe, en fait. On utilise des moyens, soit mécaniques, soit chimiques, et tous les autres procédés pour pouvoir contrôler cette mauvaise herbe là. Vous avez vu que la particularité de nos exploitations, c'est la propreté. C'est la propreté. Alors, c'était un coup de vidéo pour vous montrer l'état de la parcelle de pommes de terre et l'état de la jeune parcelle de pastèque que nous avions mise sur pied quoi. Maintenant, nous allons nous concentrer sur un nouveau projet. Un projet qui est souvent taxé d'être mal pensé.
C'est le projet de la culture du maïs. On va faire une production de 3000 mètres carrés de maïs hybride venu de la Turquie. Nous allons essayer de voir quelles sont ses contraintes ici au Cameroun. Quelles sont ses contraintes d'un point de vue climatique, parce que nous allons la mettre en deuxième campagne au mois d'août. Quelles sont ses contraintes d'un point de vue fertilité, ses exigences, parce que à côté nous avons déjà testé les variétés locales. Nous avons identifié les carences de cette variété locale. Voilà les problèmes. Voilà les variétés locales. Vous pouvez voir, tout le long, nous avons mis, tout le long de notre parcelle, nous avons encerclé la parcelle de pastèque avec les variétés locales là. Les variétés locales nous montrent déjà quelles peuvent être les difficultés qu'on rencontre localement. Et maintenant, quelles sont les conditions? Comment il faudra? Quelles sont les conditions à prendre si on veut faire une variété importée? Donc, nous avons déjà mené l'essai avec nos variétés locales. Donc, nous savons déjà à quoi s'attendre si nous venons avec les variétés importées. Mais on va maintenant tester les sensibilités. Si les résultats sont concluants, on va promouvoir cette semence-là. Mais tous ceux qui demandent toujours le nom des variétés à l'avance, là, on ne peut pas vous donner les variétés à l'avance, sinon vous allez prendre, vous n'avez pas les mêmes outils de test que nous, vous n'avez pas les mêmes paramètres d'appréciation que nous, et vous allez cultiver précocement, ça peut soit marcher, soit ou pas, et vous allez nous culpabiliser. Donc, on va d'abord tester, si ça marche, on va vous les recommander avec un itinéraire technique et un bon protocole. Donc, c'est ce que nous faisons là présentement. Alors, fidèles abonnés, ce que j'aime toujours dire à tous ceux qui viennent de regarder nos vidéos, à tous ceux qui viennent de connaître notre page, de vous abonner parce qu'ici, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat. C'est une chaîne où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain et peu dans les bureaux. C'est pourquoi nous sommes en train de sortir un protocole de faire les vidéos, de faire les directs. On n'a pas encore trouvé, vu le bon timing pour faire les directs sur YouTube, mais ça ne va pas tarder. Donc, c'était depuis Folon. Folon, c'est un village dans la localité, dans le département du Noun et l'arrondissement de Foumbot. Pour tous ceux qui sont dans la région de l'Ouest, vous pouvez nous contacter sur le numéro 690 79 71 11. 690 79 71 11. Et ceux qui sont dans le littoral et le centre, au 671 81 78 57. 671 81 78 57 pour ceux qui sont dans la région du centre et du littoral. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous enregistrez les deux numéros et vous écrivez sur WhatsApp. C'est tout. Ciao, ciao et à la prochaine.